Alors l'équipe ça dit quoi? On se pète en ville au PC. Ça part en chasse en sultane. Dans tout LS fait passer. Course poursuite contre les keufs. Gyrophare dans mon rétro. 150 sur le compteur. On se rangera pas sur le déco. Trafic de drogue dans les rues. Passe à forum à rancher. Illégal ou légal gros. Ça dépend si t'as le sang. Cette fois c'est bon. Ok c'est bon. Revenez au sous-centre. Ah. Ah. J'aurais été dans la bulle à tête de WAM que je l'aurais fait. Changer de la tenue? C'est totalement incroyable. Ce menu est totalement incroyable. Tu sais que je peux prendre son apparence si je veux? Attends. Ok. Est-ce que ce soir c'est une grosse soirée, mine de rien? Bonsoir messieurs, dames, comment allez-vous? Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Désolé les gars. Oh ouais. J'ai besoin de la moto, j'ai besoin de la moto, les gars, je vous jure, j'ai besoin de la moto. Putain. Aïe aïe aïe, en fait j'ai juste besoin de la moto pour aller en fourrir en vif. Y'a Caillou. Ah les gars, Caillou ça va être plus compliqué que ça. Mais il a le même pack graphique que moi sur mon PC à moi, Golden. Je reconnais le mode graphique avec les lumières comme ça là. Parce qu'en gros, je vous explique, Caio, ça va être l'une des plus grosses scènes du serveur, mais en plus, ça va arriver d'ici les prochains jours. T'as vu, c'est même, je pense, fin de semaine, la scène aura déjà été faite, si tout va bien. Mais en fait, Caio, les gars, c'est quoi? C'est que c'est tenu par Fares. En tout cas, le perso de Fares. Après, ouais, par contre, techniquement... c'est bien beau tout ça, mais il y a des petits bugs. Putain, le bégaiement. Dites-vous, Zarma, Fares, en RP, gère Caio Perico. Et donc, en gros, si je m'attaque à... Comment ça s'appelle? Si je m'attaque à Caio Perico... Faut absolument que jamais de la vie je me fasse attraper. Pourquoi tu veux attaquer? Parce que je dois 5 millions. Là les gars, dites-vous là que là franchement je suis... Je vais être un fils de pute avec tout le monde. Le blanchiment, frère, c'est à deux doigts d'être augmenté. Je suis à deux doigts de tout boost d'un coup pour les 5 millions. Parce que je dois trop d'argent, frère. À gauche, à droite, je dois trop d'argent. Genre, vraiment, le fait d'être intouchable. Mais qu'est-ce que ça a un prix de fils de pute? $3 millions la maison. 500 000 le Alcatraz, 500 000 le gouvernement et encore un petit million pour être tranquille, tu vois. Un petit million au cas où il y a d'autres trucs à prendre en compte. La voiture, elle est boost à fond, les frères.
Mais je la booste pas avec les permes, les gars. Après, je vais prendre un ban, frère. Vous allez pleurer. Vous allez dire, c'est un de fils de pute. Hôtel ouvert. Bon, l'hôtel est ouvert. Maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire de base. Les guerres, je suis en guerre avec personne. Les guerres, je suis en guerre avec personne, ça c'est bon. Dans mes souvenirs les plus lointains, je suis en guerre avec personne. Les flics, il y a des enquêtes, mais bon, pour le moment, c'est tranquille. C'est pas non plus la priorité absolue. Caio Perico, ça va pas tarder. Pour le moment, on est bon. Juan Blanchet, les gars, est-ce que vous le voyez à l'hôtel? Moi, j'appelle pas. Moi, j'appelle pas. Ah, je suis pas en mode de... salut mec, il faut que tu viennes blanchir et tout. Non, non, tu veux blanchir, viens à l'hôtel. Tu sais ce qu'il faut faire, mais je cours pas après les gens. Ah non, moi je cours... Fils de pute de téléphone de merde, il est bugué maintenant. Allo? Ouais. Dis-moi, tu m'as appelé? Ouais, c'était pour savoir si l'hôtel était ouvert, donc c'est carré. Ouais, il est ouvert là. Vas-y, pas j'arrive. Maintenant? D'ici 5 minutes, le temps que je fasse un aller-retour. Ok, tu me feras un appel alors. Vas-y, carré. Oh. Et ah, c'est pour les subs. Les rouges, ça sert à rien de les péter, les gars. Dans la logique des choses, et ça me paraît le plus vrai, c'est que ça a été du bluff des keufs. Les keufs, ils ont bluff, et malheureusement, le bluff, c'est que ça leur a coûté un... Ça leur a coûté 2 balles de pont. Là, il est propre, le... Comment ça s'appelle? Il est propre, le pack graphique. Fils d'enfant de putain de ta mère. Les gars, Fares, il peut augmenter le blanchiment, il peut faire tout ce qu'il veut. À la fin, c'est moi qui gère le truc. C'est-à-dire, si moi, je veux pas blanchir à cette somme, je le ferai pas. Tu vois, ça dépend des groupes, ça dépend avec qui on est en bonne entente et tout. Assez Nike, merci beaucoup, le Wax. Tout dépend de ça, les frères. Les relations, toujours les relations. Après, Non, la vie de ma mère, je le fais une seule fois. La tête de Wam, c'est pour la rire, sinon on va vraiment mécano. Ah, c'est pour ça que je veux pas les perdre, moi. Eux, ils font leur truc. J'ai envie de voir la guerre avec les Yakuza, ça fait quoi? Ouais, Kendrick. Ça va, tranquille? Oh, on est là, hein. Y'a Kendrick, si tu veux... Moi, je prends des nouvelles comme d'hab. Ça a donné quoi votre guerre avec Yakuza? Bah hier on les a pétés d'une vitesse extrême, hein. Encore pas hier? On les a chopé, on en a chopé 3 hier. Et alors? Bah il a payé. Combien? Il a payé combien déjà les gars? 40 000. Ouais, 40 000. Putain. Et, bah, ouais. Et là vous allez faire quoi? Encore les péter ce soir là ou c'est en mode tranquille là? Là ce soir on sort, on les froisse encore, t'as vu? On a pas encore? Ouais, toute la semaine. Ah oui, là c'est la semaine Yakuza, en gros. Non, rien, j'écris. C'est ça, c'est Yakuza Yakuza Week, hein, on va dire. D'accord, et ça part de quoi déjà votre embrouille? Vanwood. Revendication de... Ouais. Et là ils ont toujours pas abdiqué, ouais, ils ont toujours pas dit ouais c'est bon, on redonne Vanwood et tout. Ah bon, Yabun, il a tête dure, hein. Ok. La surtout la haine pour hier. Et bien gérez ça bien les gars, hein. Faites attention. Vas-y. Et toi ça se passe bien, tranquille? Ouais, tranquille, hein, mais vous branlez un peu, non? Ah, la dernière fois que je vous ai vu à l'hôtel, vous. C'est quand t'avais ramené, je crois, une bonne somme d'argent. Ouais, mais là, la somme d'argent, ça fait un moment, non? Ah, non, bah... Non, c'était la semaine passée, non? C'était début... Ouais, fin de semaine. C'était du week-end, toi. T'as ramené 1,2 million quand même. 1,2 million, tu sais qu'il y a des groupes qui me ramènent plusieurs millions par jour. Par jour? Par jour. Et eux, ça fait un moment qu'ils font des trucs. Je vais pas te cacher, nous, pour l'instant, on se concentre sur les convois, t'as vu? Ah, pour l'instant, on domine les convois pour l'instant. Bah tant mieux, hein. C'est quoi, c'est en mode vous êtes obligé de faire des convois ou vous pouvez dire non, je veux pas faire de convois?
Si, si, on nous met un nombre de convois minimum par semaine et si tu, en, si tu veux en faire plus, t'en fais. Mais si tu veux pas en faire de convois, il se passe quoi? Bah, tu veux pas d'argent. Tu te fais taper sur les doigts par tu sais qui, hein. Eh ben, ça me rappelle un truc, ça. Ah ouais? Ça me rappelle les Nortenos quand je voulais plus faire de convois parce que ça me cassait les couilles. Je disais, j'ai trop la flemme de faire vos convois de merde. Et qui s'est pointé avec une artillerie lourde parce que je lui ai dit nique ta mère pour tes convois. Eh ouais, le téléphone il est bugué. Je sais pas pourquoi le téléphone il bug comme ça. Allo? Ouais, t'es à l'hôtel? Ouais, là j'arrive, je suis en route. Eh non, même le fixe phone ça marche pas, les gars. Découvre-co. Essaye. Je l'ai déjà fait, ça a pas marché. Non, il faut pas qu'il m'appelle plusieurs fois. Ah, je suis obligé de découvrir le coup. Ok, bon, attends, Bellec à tout le monde, j'ai peut-être pas besoin de découvrir le coup. Allô? Ouais, j'ai un problème de téléphone, évite de m'appeler hein, à la mort. Genre, je vois ton appel, donc après, je peux te rappeler direct. Je suis à l'hôtel. C'est bon, j'arrive. Il va falloir que je prenne les notes là. C'est comment il s'appelle? C'est pas Bouyaboun qui m'a fait la réservation en premier, c'est Madère. Donc c'est Madère qui passe en premier. Ensuite c'est Bouyaboun. Ensuite on est bon. Mais attends, j'ai une question. Qu'est-ce que je peux faire comme. Non, je peux rien faire. T'as vu, par contre, j'ai pas vraiment de droit. Comme d'hab, tu connais le protocole. Ouais, j'aimerais bien avoir la chambre 54, s'il te plaît. Les clés sont là, tu vas au second étage et tu m'appelles quand t'as besoin. Vas-y. Bon, je le change, le protocole. Le protocole, je vais le changer quand je retournerai à Perpignan. Parce que pour le moment, personne l'a pété de protocole. Pas de flics sont au courant. Je pense qu'il y a des gangsters qui sont au courant. Et ça, par contre, j'espère que je le saurai jamais. J'espère réellement que je ne saurai jamais que des gens sont au courant par rapport au protocole et tout. Mais en dehors de ça, pour le moment, les flics ne sont pas au courant. Donc ça, pour le moment, c'est nickel. Merci à Tox. Bon, Madder, je pré-shot entre 500 000 et 600 000. Imagine à la fin un groupe d'infiltrés des flics et à la fin ils te baisent. Mais c'est le meilleur truc qu'ils pourraient faire. Les gars, moi je vais vous dire, moi je vais vous dire qu'est-ce que je ferais pour niquer Kendrick si j'étais flic. Et la tête de ma mère que c'est vrai. Je ferais quoi? Je prendrais une escouade, t'as eu 6 personnes, 6 flics. Je dirais à partir de maintenant, vous êtes des gangsters. À partir de maintenant, il n'y a aucun monde où vous êtes flic. Et je fais quoi? Merci Trax. Je fais du RP en, du RP gangster pendant 2 semaines. T'as eu 2 semaines complètes, je fais que full gangster. Je prends un quartier, je dis, je revendique le quartier et tout. Jusqu'à que moi, Kendrick ou d'autres personnes m'approchent en me faisant des trucs. Par contre, ça va, il bug un peu. Salut patron. Ah. Tranquille vous. Tu es? J'étais Boaz, le sécurité. Je changeais de coupe. T'as changé de voix surtout, non? C'est quoi la dernière fois que je t'ai vu, toi? Hier. Hier, j'étais pas là hier. Bah, avant-hier. Et tu faisais quoi avant-hier? Merci, Sifty. Excuse-moi, je te cause. Merde, attends. Non, y'a pas de merde. Attends, déjà, suis-toi pas, s'il te plaît. Vous m'entendez, monsieur Jackson? Je
t'entends, je t'entends, mais j'aimerais bien savoir qui tu es. Je suis Boaz Tavares, j'ai taffé à la sécurité, j'ai taffé chez vous devant votre porte la dernière fois à la soirée. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était là, j'avais lâché une blague sur un Discord Nitro. D'accord, et tu trouves que t'as une tenue de sécurité là? Non, bah je suis venu, je pensais me changer à l'intérieur. Super, et bah tu peux commencer à prendre ton service. Parfait. Changer de micro. Hein. Ah, j'ai rien compris. Toujours, toujours, toujours. Par contre, il va éviter de tourner plusieurs fois parce que frère... oh. Avoue, tu aurais aimé. Le moindre dérapage, ma gueule. Le moindre dérapage, je serais rentré à l'intérieur, fusil à pompe, je l'aurais sorti, je l'aurais tiré dessus. Par contre, il fait beaucoup de tours, je trouve. Il est là, hein. Madère. La voiture, là, là, ça fait... T'as fait 5 minutes qu'elle tourne. Au moins 5 minutes, facile qu'elle tourne, celle-là. Essaye de voir combien de temps elle tourne. Il y a déjà un client. Ah, tu es avant lui? Ah non, t'étais pas là avant lui. Si, ah, non. Tu arrives avant lui? Ah non, moi je peux t'assurer qu'il avait fait la réservation avant toi. Vardy, va te faire enculer, prends mon argent. Non, il n'y a pas de va te faire enculer. Et s'il te plaît, évite quand même de prendre la confiance. C'est dit, il va te faire enculer, ah, c'est pas dit, il va te faire enculer. Tant mieux. Tu attends en bas, il est déjà dans la chambre. Il avait pris la réservation avant au téléphone. Toi, t'as appelé en deuxième. Et t'arrives en premier, tant que moi on m'appelle en premier sur le téléphone, tout est gagné. Hein. Ah, mais si tu réponds, je serai en premier. Hein. Hmm, si tu réponds avant, je serai en premier. Il m'a appelé il y a 20 minutes, Bouyaboun. Ouais, il m'a appelé il y a 10 minutes. Ouais, vas-y, t'es bon. Par contre, vu que j'ai un problème de téléphone, je suis obligé d'aller le voir parce que frère, ça va sonner, ça va casser les couilles. T'as appelé qui, beau gosse, depuis tout à l'heure? De quoi? T'as appelé qui, là, depuis tout à l'heure? Bah, personne. Il faut que tu sais que tu appelles. Ouais, mais il y avait d'abord Bouyaboun. C'est pour ça, après... Attends, Bouyaboun, il était dans la chambre, là? Bah ouais. Ah oui, d'accord, il a pris ses aises. Non, vas-y, on voit. Vas-y. Je me suis dit, c'est pas encore mon tour, du coup, j'attends. Non, non, c'était à ton tour, t'inquiète pas. On va mettre un petit coup de pression à Bouyaboun, très gentil. Allô, qu'est-ce que je t'ai dit? Merci. Qu'est-ce que je t'ai dit? Entre 500 000 et 600 000. T'as donné 60k, qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a donné 60k, il m'a donné 600 000. 611 000 précisément. Pourquoi il y en a, vous dites 60 000? Je t'appelle quand c'est bon. Bonsoir, Zatandro. Excusez-moi. Tu es? L'ami à Bouyaboun. Il m'a dit d'attendre pour lui. Il arrive à sortir l'argent. Ah, donc il avait même pas encore l'oseille. Tu lui dis que je tape un dodo, moi, en vif. J'arrive. On a vu 60k. Mais les gars, en fait, le truc, c'est que je vous dis 600 000, après, vous spammez 60k. Genre, je vois quand même. En fait, juste le problème, c'est qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui a dit 60 000, vous avez spam 60 000. Hop.
Bref, on va pas épiloguer 40 ans sur un sujet pour savoir si vous avez vu un 60 000 ou un 600 000. Nique sa mère, ça y est, ça. Ah, on va se prendre la tête maintenant parce qu'il y en a un qui a vu un 0 en moins et tout. Après, 600 000, c'est pas assez, hein. Je tiens quand même à le préciser au cas où, c'est vraiment, vraiment pas assez. En fait, je me dis ça va être une soirée calme, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir un événement qui va faire que ça va pas être une soirée calme. Wow. Ah, attendez. On va avoir un message avec son numéro parce que t'es un inconnu là. On va avoir un message avec son numéro parce que ça va l'appeler là, t'es un inconnu. Je pense pas que ça va être calme. La tête d'homme que même moi je le sens que ça va pas être calme. Après je le sens, tu vois. Toujours occupé. Bouyaboun. Allo. Dans la chambre, c'est bon? Moi, tu l'as. Ok, bah appelle-moi quand t'as besoin. Tu l'as, c'est tellement simple. Non, tu sais ce qu'il faut faire, Bouyaboun. Ils ont pris leurs aises quand même, hein. Ils ont oublié, frère, qu'il y avait un protocole réellement respecté. L'insultant, ça fait combien de temps qu'elle tourne? C'est une très bonne question à se demander. Elle est repassée l'insultant ou pas? Oh. Oh, 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 je te paye pas à dormir debout. Eh bah super, tu fais acte de figuration au moins. Est-ce que tu m'entends? Ah mais elle tourne, hein. Bon, c'est dans ce genre de moment. T'as de la Oh, t'as une chatte, mais t'as une chatte. Un timing, toi. Allô. Ouais, t'es une femme de ménage avec un homard. Ah si, papa. Papa. Merci pour les 24 mois. Non, je pense que c'est pour Bouyaboun. Là aussi, coup de pression, frère. Il y a un protocole, frère. Si ça, c'est encore si c'est Bouyaboun, il a accumulé les fautes en 10 minutes. La Sultan RS là qui est en train de tourner depuis tout à l'heure, c'est chez toi? Ouais. Est-ce que s'il te plaît, tu peux leur dire de ne plus tourner? On va aller. C'est comment attirer l'œil des flics et dire ouh, je suis ici.
Ouais, et pour les réservations de chambre d'hôtel, c'est pas tu te pointes à l'hôtel et t'es direct dans la chambre. C'est tu arrives à l'accueil, tu prends la clé et ensuite on est bon. C'est moi qui te donne la clé, Bouyaboune. T'as compris ou pas? Ouais, t'es bon. Allez, viens nous tarter, c'est devant. Merde, il y a un E à la fin de clan. Ah, c'est vous le sub. De la part de Madder, 1 million de la part de Bouyaboon. Oh, je me fais un petit 300 000, 400 000. C'est même pas insultant, hein. Putain. Va détruire, c'est moi. Déposer l'argent avant qu'il m'arrive une galère. T'as pas la clé, réfléchis. Mettez-lui 24, mets-lui 24 heures, s'il te plaît. Non, 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 mets-lui 10 minutes. J'allais partir en mode dictateur là, mais je vais me calmer. Mets-lui 10 minutes. J'ai même pas dit ce que j'allais faire. J'ai même pas dit, tu me dis, t'as pas la clé, réfléchis. Ah, c'est ça ici. Pas déposer chez toi, mais les gars, j'ai un coffre chez moi. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes devenu, vous suivez les lives ou ah, mais c'est le truc d'argent, c'est vrai. C'est pays. Attends, non, c'est vrai, c'est vous qui avez raison. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Émile Zola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Il est vrai, il est vrai. Par contre, plus les jours passent, plus j'ai l'impression que j'ai plus de balles de pistolet. Alors que j'utilise jamais de pistolet. C'est une petite rayure, le staff me fait rien, c'est une petite rayure. C'est juste, c'est stressant d'avoir un beau bolide comme ça et d'avoir une petite rayure. Aïe! Pas touché. Ah, ok, ok. Où ça? Là-bas, là, juste. Ça va, toi? Ah ouais. Et quoi, ma grande? Et viens. Hein? Et tu fais quoi? Bah, je fais un, ça dit quoi? Bah, tiens, moi, je te boude. Pourquoi tu boudes? Parce que tu restes jamais avec nous. Ah ouais, mais. Hein? Tu fais jamais avec nous. Eh, j'ai du boulot. Elle te réclame tout le temps. Quoi, attends, tu connais avec ta mère là ou tu. Attends, oui, non, mais, oui, oui. Ça n'a rien à voir. La nounou me l'a déposé directement ici, donc je vais aller prendre la fin de service. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas où elle est. Chacun a une intervention encore. Ça, c'est mes deux femmes incroyables, oui. Ça. Elle, elle est gentille. Qui? Maman. Ouais, il se passe quoi à l'hôpital? Oh, pour rien, c'est un peu sous tension. Ouais, il se passe quoi?
Rien de très intéressant. On peut rentrer ou on peut pas rentrer? Attends, oui, c'est oui, ça, les chaînes d'information vont tout donner, alors il se passe quoi? L'hôpital n'est pas bouclé, tu peux rentrer librement. Super, c'est qui s'est fait arrêter cette fois? Hein, c'est qui s'est fait arrêter? Bonne question. Bonne question. Ça va, t'es devenu aigri là. Non mais, ferme ta gueule un peu, parle pas, je m'en bats les mains. Tu es jaloux là? Alors... Eh ouais mais frérot, j'ai pas le temps de passer avec eux là, tu sais que là c'est focus illégal frère. Mais bon, c'est pour leur bien. Déposez au poste de police s'il te plaît. Hein? Tu peux nous déposer au poste de police s'il te plaît? Vas-y, prends-la dans tes genoux. Sur tes genoux. Viens ma puce. Tu vas monter sur les genoux à maman, c'est exceptionnel. Pour la fille avec toi, mais ma grosse bite frère, je la prends. Maman, c'est exceptionnel. On va où? On va au poste de police ma chérie, je vais poser mon uniforme. T'allais faire quoi? Je vais l'emmener à son cours de danse. À la cour de danse? Je l'inscris à la danse classique. Cours de danse ou à twerk encore sur du charis? Non, alors ça c'est ni à prévoir ni à... Non, non. Elle a un cours de danse classique. Avec? Bah avec une prof de danse. D'accord. Et ensuite, elle ira faire du vélo. Ça c'est un bon programme ça, Noémie. Trop bien. T'as vu Noémie, si tu retraînes encore avec la Emilia, tu me préviens. Je viens de lui faire un serment là-dessus. T'as fait quoi cette Emilia? Elle m'a appris à danser. Et ensuite? Dis tout. Ok. Elle a été prévenue, elle n'a pas le droit de... d'interagir avec Emilia. Tant mieux alors. Et de ce que je sais, Emilia a été prévenue aussi. Oh bah, ça d'une belle manière. Merci beaucoup. Merci. J'attrape mes femmes de mes vies. Oh, il est dans ce fan de... Ah, il a une femme de... Connasse. Ah, c'est qui, roi? Mais là, c'est une petite, frère. La relation, elle sera plus intéressante quand elle sera adolescente et tout. Et c'est quand? Oh, ça va pas tarder, semaine prochaine, c'est une ado. On va lui donner une pilule pour avoir une poussée de croissance hormonale de quelques années en quelques jours. Mais marré quoi? Ça va ou quoi? Ça va toi? Ça va. Elle est au bureau ou tu restes en bas? T'as des trucs à me dire? Non, ça qui va. Bon, bon, vas-y. J'arrive pas à l'endroit. Après, Moha et comment ça s'appelle? Moha et Marie, c'était pas la même relation, hein. C'est pas le même contexte, c'est pas la même relation. Et surtout qu'au moment où il y avait Marie... Au Moha, je vous rappelle un truc, on n'avait rien du tout, on n'avait pas de blanchiment, on n'avait pas de trucs à... T'sais, on n'avait pas mille trucs à faire. Moha et Marie, ça faisait passer le temps. T'sais, c'était ça qui était bien, ça faisait réellement passer le temps. Là, frère, blanchiment, Zach, illégal, c'est compliqué frère de dégager du temps pour tout. T'aime bien, mais à petite dose. Alors, du coup, il y a eu un truc, c'est que la clim, maintenant, ils ont changé la serrure. C'est normal. On va changer le système totalement. Donc, pour le blanchiment, maintenant, tu vas passer par nous. Donc, tu vas nous apporter l'argent. Nous, on la garde, délai de 24 heures. Et on te donne l'équivalent, au moins un certain pourcentage. Les taux changent à partir de maintenant, c'est minimum 35%. Ok. Parce qu'ils se font beaucoup trop d'oseille. Ah, et que nous, on a payé beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc, minimum 35%. C'est pour ça que si ça... ils blanchissent au-dessus d'un million, tu peux descendre à 30 si tu veux.
Maximum que je peux blanchir? Le maximum de pourcentage? Ouais. Y'a pas. Si t'arrives à leur prendre 100%, bah tu leur as pris 100%, tu les as baisés, écoute. Y'a pas de maximum de taux. Six. Nous, par contre, on te prend un taux sur ce que tu nous ramènes, donc attends. Merci mon frère pour le sac sub. Ah, par contre, là. On va partir sur l'exemple de 100 000 à chaque fois. Ah, le système il change là. Ah putain, merci pour le prime, Chivex. Pas mal. Bah non. C'était mieux mon système à moi. Ah ouais. Ça va être plus compliqué, hein. 100 000 dollars. Après, c'est plus cohérent, oui. Si t'enlèves 35%. Ah, voilà. Si, ça fait. Hop, voilà. Donc, tu vas nous ramener. Tu vas nous ramener 60. Non. Tu vas nous ramener 100 000. Tu dois leur rendre 65 000. Non, instant. Par contre, du coup, je reste blanchisseur, mais je l'ai plus à 100%. Avant, je l'avais à 100% le blanchiment. C'est ça qui était bien. Là, maintenant, je l'ai plus à 100%. Ok, tu vas prendre une commission de 100 000 par blanchiment. Automatiquement? Ouais, je m'explique. Imaginons que quelqu'un te donne 1 million, tu nous ramènes ce million. On te rend 650 000. Non, on te rend 750 000. Okay. Toi, tu lui rends 650, tu gardes 100 000 pour toi. C'est de l'argent blanchi que tu récupères, toi. Ok, donc à chaque fois, je récupère 100 000 par blanchiment. Sauf si c'est au-delà d'un million, 150 000. Qu'importe la somme, je récupère 100 000. Ouais, qu'importe là. Non, sauf si c'est au-dessus d'un million, 150 000. Ok, mais ouais. Si c'est en dessous d'un million, je récupère 100 000 à chaque fois. Je récupère 100 000, donc voilà, qu'importe la somme, on te donnera à chaque fois 100 000 de plus. Ok, eh ben, bah, je peux déjà passer la palette, hein. Donc t'as combien à blanchir, là? Là, il y a 1 600 000, 1 million des Yakuza et 600 000, enfin 611 000 précisément, des Madeurs. Ça nous permet aussi d'avoir une traçabilité sur ceux qui blanchissent. Ah bah là, frère, je me fais plus grosse couille. Hein. Après, c'est bien, ça développe l'histoire, les gars. Moins de thunes pour le blanchiment égale plus de coups de pute à côté, frère, pour se faire de l'argent, c'est normal. Les temps sont durs. Après, dans tous les cas, je récupère des 100 000. Donc 1 million des Yakuza qui doit... 611 000 Madder. C'est qui Madder? Il y a un groupe, mais à chaque fois, j'oublie son groupe à lui. Mais c'est Madder, un truc comme ça. Mais juste Madder, je me retrouverai dans la traçabilité. Après, je te dirai le nom du groupe. 600 combien? 611 000. C'est le Beckham Street. Ok, Beckham alors. Hop. C'est bon, sous 24 heures, t'auras la somme blanchie plus tes commissions pour les deux. T'as fait comme ça. Mais quoi, t'as pas peur, toi, que ça parte en couille? Par rapport à... Parce qu'au final, si moi, à chaque fois, tu me dis, je prends 100 000, 100 000, 100 000, ils viennent, ils blanchissent pour 300 000 ou 200 000, moi, je leur prends les 100 000. C'est-à-dire, ils vont prendre des miettes, un peu. Non, mais tu prends pas sur leur commission, hein. Sinon, on te paye, là. En gros. Ah, donc moi, tu me donnes la somme que eux, je leur donne, et à chaque fois, moi, tu me donnes une somme à part. Je rajoute. Exactement, je rajoute dans ce que je te donne à leur donner. Je rajoute systématiquement ta commission. 100 000, après on verra en fonction du business comment il évolue. Ça peut diminuer, ça peut augmenter. À chaque fois, je te dis combien je t'ai rajouté.
on part sur une base de 100 000 et 150 000 si c'est au-dessus d'un million. Donc, exemple, s'ils t'ont donné un million, tu dois leur rendre 650 000. Ouais, c'est moi, bon. Moi, je te rends 750, tu leur rends 650 et tu les gardes les 100 000 que je t'ai redonné en plus. Si tu arrives à leur rendre moins, tu leur rends moins, écoute. Vas-y, vas-y, on fait comme ça. Mais nous, on te met ta commission. Vas-y, vas-y. Quoi, ils ont fait quoi pour que ça baisse comme ça et que d'un coup ça augmente? Ils se font trop d'argent. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous, donc là on est obligé de réguler en tapant fort du poing. Toi, ça te change rien à l'oseille que tu gagnais, même. Oh, ça t'arrange même, je pense. Oh, une petite baisse quand même. Ça dépend, ouais. Faut voir la différence. Ouais. Et ouais. Et eux, ça les arrange pas et c'est normal. Donc c'est 35% minimum, annonce-leur. Hein. Tu leur dis 35%. Même voilà. Ok. À savoir que je te prends pas en tout de 100 000. Ok, ça c'est normal, si tu m'avais dit. Voilà, je te prends pas en tout de 100 000 et il n'y a pas de maximum. C'est une petite question et après, tranquillement. L'ouverture du blanchiment je suis dans ma tente. Ouais, t'as une date à peu près ou pas trop? Deux. Je suis les armes. Ah non, j'ai pas de date précise pour le moment. On va voir. On va voir au fil du temps. Allez, on fait comme ça alors. Allez, on se retrouve, Zach. N'hésite pas si t'as un truc pour ce soir. Et à la fin, je suis pas au courant, ouais. Faut voir, les gars, faut voir. Je lui dis, ouais, on se tient au zi. Comme ça, j'ai bien bégayé, zi. Ouais, par contre. En fait, je vais vous dire sur quoi je suis gagnant. Et il y en a un qui vient de le dire. Je vais être gagnant sur les petites sommes. Mais les grosses sommes... Les grosses sommes, ça va être... Là où il va falloir voir. Et plus blanchisseur, t'es juste un convoyeur. Techniquement, si, je suis blanchisseur, mais bon. Je suis à temps plein. Après, tant mieux les frères, ça fait toujours des ouvertures de scène, hein. C'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Ah si, c'est SM. Le seul truc où ça me baisse, c'est que maintenant, je peux plus trop arnaquer. Moi, je m'en fous personnellement du blanchiment. Enfin, actuellement, non, je m'en fous pas. C'est ma source d'argent principale, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas dans l'arc... Enfin, vous avez capté ce que je veux dire, on n'est pas dans l'arc blanchiment là actuellement, tu vois. Genre là, franchement, je vais pas vous le cacher, on est sur le dernier arc. Donc le blanchiment, t'as capté, c'est cool, c'est bien, mais... C'est pas non plus le truc où je vais me focus, quoi. On peut faire autre chose, on fera autre chose. Attendez juste. De petites secondes, messieurs, dames. Hop, ça c'est bon. Après, c'est à moi d'être intelligent maintenant, hein, par rapport au blanchiment. Bah, c'est moi qui dois être intelligent par rapport à ça. Donc on va voir. On va voir comment ça va se passer tout ça. Mais normalement ça devrait être bon. On va bien voir. Juan, je vais pas l'appeler, je vais attendre que ça soit lui qui vienne à moi. En fait, juste le seul truc qui était dommage, c'est que putain avant j'avais vraiment la rapidité genre. Bon, par contre à côté, ce qui est toujours bien, c'est qu'on n'a pas de coup de poing. Et du coup, il y a un autre truc. Mais attendez, en fait, ça, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est un mal pour un bien, les gars. Parce que maintenant, tu veux me péter comment, le blanchiment? Tu veux me le péter comment, maintenant, le blanchiment? J'ai plus de clés. Là, demain, il y a un mec qui veut venir, il veut m'enculer le business de blanchiment. Il fait comment?
Parce que avant, certes, c'était cool, mais s'il y avait un mec qui me chopait la clé et qui savait où il pouvait blanchir, je perdais le blanchiment. Va te mettre la pression pour que t'abandonnes. Tu m'as déjà vu abandonner, frérot. Là, techniquement, c'est un... Je vais pas dire c'est un mal pour un bien, mais... Je vais te dire, déjà, on est bon. Il te tue, ouais, mais gros, pour tuer quelqu'un, frère, faut... T'as eu de bonnes raisons, quand même. Genre pas, je récupère le blanchiment. Non, faut quand même un minimum de guerre et tout. Les mini-frises. Il m'avait prévenu avec son truc de vieux qui avait des petits frises, des fois. Merci Kylian. Ah, ça roule du talchi ici, y'a pas le temps. A domicile ou à livraison, on vous sert des buggers, à tout de suite. Bonsoir. Bonsoir chef. Bien et vous, je peux vous aider? Bah non, il y avait du monde et j'ai vu qu'il y avait même un code de... C'est quoi déjà qui utilise la police? Code 3 il veut... Oh, le code orange. Code orange. Je crois qu'il n'y est plus. Oh, il s'est passé quoi? Écoutez, je suis pas au courant. Il y a dû avoir des personnes sous protection. Voilà, exactement. Ah, comme d'hab. Hein. Exactement. Après, j'en sais pas plus. Belle voiture, en tout cas. C'est gentil, chef. Bon, bah, faites attention à vous. Merci, vous aussi. Ah, les petits frises. T'as vu, t'aurais pas dû acheter la Trax. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? La Trax, c'est un investissement de fils de pute. Wesh, attends. Ça fait un peu beaucoup, là, quand même. Pas du tout, mais bon, mais les gars, vous êtes en mode, je vais jamais me faire d'argent, ça y est, c'est fini, je suis pauvre. Les gars, je vais me faire tout le temps de l'argent. Faut arrêter de tout le temps être en mode, t'aurais pas dû l'acheter, etc. À ce moment-là, je fais quoi? Je dépense rien. Vous êtes en mode quoi? Vous êtes en mode l'automatique? Je m'en bats les couilles de l'automatique pour le moment. On en est pas encore à ce stade de l'automatique. Je joue sur mon PC portable ou comment? Arrêtez de tout le temps vouloir des trucs inutiles, frère. On va foutre quoi avec une automatique? On a un fusil à pompe, frère. Y'a un convoi derrière, gros, je rêve. Oh oui. Ouais, ça doit être pour ça. Ah ouais, force à tous nos frères qui sont tombés au combat, dis donc. Ça va, sergente? Bonsoir, ça va bien, bien? Ah bah, comme d'hab, tout va bien. C'est quoi? C'est des beaux poissons là que vous avez ici? C'est des poissons. Ah putain, les gars, vous êtes fait péter, hein? Ah non, du tout, tout va bien, vous en faites pas pour nous. Mais non, pas vous, je parle aux criminels. Ah. C'est qui là-dedans? Oh, je peux peut-être gratter un petit blog. Non. Ça va, faites-moi gratter une petite info au moins. Négatif. Comment ça, négatif? Dans tous les cas, vous allez dire pourquoi vous gardez tout le temps l'info pour vous? Parce que pour l'instant, les procédures ne sont pas terminées, monsieur. C'est un petit blast quand même, que je commence à faire un petit truc avec Weasel. J'ai toujours une info à gratter, j'ai 30 000 $ gagnés. Bah, mettez un peu de beurre dans mes épinards, non? Malheureusement, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup pour l'instant. Tant qu'ils sont pas en cellule, je pourrais pas vous en dire. Ouais, je vais attendre de voir alors. Parfait. Je vais juste vous demander de circuler d'ici, s'il vous plaît. Elle, vous mettez devant le poste, y'a pas de problème. Flinguer tout là, ça se voit, ça c'est 04. Ouais, regardez, il vous a dit ça. Ça se voit, c'est 04 qui vous a appris ça. La petite posture et tout là. Ah, je sais même pas c'est qui. Ah ouais, je voulais gratter 2-3 infos. Par contre, les frises, je sais pas comment Golden il fait pour... Golden, il a sacrifié son PC pour avoir un jeu beau et des frises. Me dites pas c'est qui, je m'en fous. Je le sais pas en RP, je le sais pas en RP, je ne le sais pas en RP. Je m'en bats les couilles de qui c'est.
Oui bah les gars, ça bug trop, ça bug trop. En mode la baguette magique. Ça mais on va faire avec. Vous allez bien supporter une soirée comme ça. Attendez par contre. Je vais aller voir Double. Ensuite après Double je vais aller voir qui. Attendez juste deux secondes les gars. C'est bon. Ça c'est bon. Ok. À combien sur ton compte? Il doit être à 300 000 même pas. Maintenant on a combien? ZB hein. Ah là ça frise beaucoup. Tenez. Ouais 374 000 ça va ça le fait. Attends, je vais taper une déco recon, c'est jamais frère. Ça le faisait pas tout à l'heure. Là faut que ça bouge. Là on avait un bon truc avec comment il s'appelle. On avait un bon délire là avec comment ça s'appelle les guerres pour le blanchiment et tout. Bon ça c'était sûr qu'après il allait avoir une période calme. Mais là, il faut, frère, faut que les gens ils se bougent le cul, frère. Merci pour le sub, merci beaucoup. Tu as le même compte bancaire IRL, putain, j'aimerais bien. Hein. T'as le même compte IRL, putain. Fais bouger les choses toi-même. Les gars, je le répète, je n'ai pas de baguette magique. Frère, je pense avoir... Je pense réellement avoir fait bouger les choses pendant un certain temps, frère. Après, gros, je peux pas tout faire. En fait, faut garder de la cohérence, les gars. Tu peux pas te pointer et te dire parce que je me fais chier, ça, je vais faire bouger les choses. Ça, tu peux pas, ça existe pas. Mais non, c'est ton entreprise qui est riche, pas lui. Mais les gars, je suis un auto-entrepreneur. Depuis quand vous me dites que je suis en société? Moi, j'ai pas de société, moi, encore à mon nom. Je suis encore auto-entrepreneur, moi, IRL. J'ai perdu la voiture alors que je l'ai garé quand même. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de spam. Fais ci, fais ça. Pourquoi ci, pourquoi ça? Les frères, profitez du stream tranquille et basta. Non, je dirais pas au gang que le blanchiment il a augmenté, les gars. Je l'aurais jamais... Pourquoi je dirais au gang oui, le blanchiment il a augmenté alors que j'ai jamais donné de pourcentage? Faut pas leur dire le pourcentage, il a augmenté de combien? Ils ont pas à le savoir ça. Ça ils se la prennent dans le cul. Je leur disais le pourcentage, oui, pas à tout le monde, mais en fait c'est une scène inutile. Là vous voulez juste avoir une scène pour avoir une scène. Je vais pas prévenir tous les groupes que le truc il a 35. Après quoi? Je préviens tous les groupes que le truc il a 35. Ils vont me dire quoi? Ils vont me dire ouais mais frérot, pourquoi moi là tu m'as pris 40, pourquoi là tu m'as pris 50? Non, nique ta mère. Je te prends 60%, je t'ai pris 60%. Ils ont pas le savoir. Les arnaques, elles sont comme ça maintenant. J'avais personne dans ce quartier de merde aussi. Mais ils ont juste à calculer, ils le savent. Oui, bah ils calculeront s'ils veulent se casser la tête. Moi je vais pas organiser de scène en tout cas pour dire voilà tenez ci, tenez ça.
One, j'ai pas l'impression qu'il est là. Bubble, j'ai pas l'impression qu'il est là. Les salvas ne sont plus de ce monde. Depuis un moment en plus. Hoover et Bouyabou, ils vont se faire la guerre pour des trucs de merde. Ah, tout va trop bien en fait. Tout va trop bien. C'est pour ça que moi je veux accélérer le truc. Tout va trop bien dans le meilleur des mondes. Du social, oui, du social c'est une soirée. Va accélérer, tu vas faire de la D, on s'en fout frère. Par contre c'est un jeu au lit de mon frère. Et banne-les tranquille, y'a rien. Eh non la petite les frères, avec sa grand-mère elle aussi frère, ça va être quoi? Ça va être 5-10 minutes de cool. Eh c'est bon frère, je vais pas passer 3 heures avec la petite. La petite c'est pour le RP et tout, mais je vous cache pas frère, ça me casserait les couilles de passer 3 heures IRL avec une petite. Enfin, une joueuse qui joue ma fille, genre ça me casserait les couilles. Même vous, ça vous casserait les couilles, c'est bon, c'est drôle, 5-10 minutes ce genre de truc. Frère, on sait, eh hey, les gars, on sait tous très bien ce qu'on veut. MDR, pourquoi tu l'as pris? Pour l'histoire du perso. Gouvernement, il y a quelqu'un. Les gars, s'il vous plaît, on va faire un truc. S'il y a rien du tout, s'il y a rien du tout, t'as vu, s'il se passe rien là sur le stream et autres, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis comme ça, je joue, frère. Je tourne, j'attends de voir au moment où il y aura une scène. Ne me dites pas quoi faire, ne me dites pas oui, je veux ci, oui, je veux ça, parce que je vais pas le faire. Je vais pas te faire de scène avec la petite. Je vais pas faire de scène pour dire voilà, le blanchiment, il passe à 35%. Je m'en fous. Là, je vais attendre. Je vais tranquillement regarder mon environnement. Et quand je vais avoir une idée, je vais la faire. Ça sert à rien de précipiter, ça sert à rien de me demander de faire des trucs. Je vais pas le faire. S'il vous plaît, frère, c'est trop chiant quand à chaque fois vous me dites oui, fais ci, fais ça, fais ci. Bah, après, tu t'étonnes que tu t'ennuies. Mettez-lui 24 heures, s'il vous plaît. Allez, tu as mérité. Personne. Vas-y, mais go ça. Non, le gouvernement, il n'y a pas encore de gouvernement, les gars. Là, le gouvernement, le président Zarma Botwin, lui, il est là de temps en temps. Il est là de temps en temps. Il n'est pas là tout le temps. C'est ça qu'il faut retenir, les frères. Il n'est pas là tout le temps, Botwin. Botwin, c'est prévu qu'il soit pas là tout le temps. Mais là, c'est en attendant déjà les trucs de recrutement et tout. Soirée d'anniversaire, notre cher Azad fête ses 25 ans à 23h30. Le lieu de la fête est disponible sur le site de la ville. Ah, tu vois, on peut y aller. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est quand les élections? Non. Ah, tu vois, les élections, ça aussi, on va faire un truc par rapport à ça. Pourquoi tu veux donner 500k au Gouv? La protection, frérot. J'allais donner un exemple IRL, mais bon, je vais me calmer, après on va m'expulser. Oh merde, pardon, putain. Non, t'as... Non, mais viens, on va le contrôler tout de suite, lui, on va le contrôler. Mais non, mais je te jure, c'est vous, c'est comme des débiles, vous. Ah, chut, chut,
Monsieur, déjà bonjour, on peut commencer une conversation sans qu'on s'insulte de débile dans je sais pas quoi. Il m'a foncé dessus, putain, viens voir, monsieur, frérot, viens voir. Monsieur, mais non, mais regarde non. La caisse, regarde la caisse, regarde la rayure que t'as fait. Tu sais, c'est combien la réparation? Oh, le menteur, c'est pas un humain qui peut faire une rayure comme ça. Hein. Mais c'est... bien là, sûr que si. Bah oui. Là, c'est arnaque à l'assurance, là, mais je non. Connais c'est tout de suite, monsieur. C'est une arnaque, là. Il a rayé tout ça avec toutes ses clés, mais... ses clés, elles ont frotté contre le capot. Mais il y a que ses fesses qu'on frotté votre voiture, monsieur. C'est 200 000 dollars, la réparation facile. Oh là là, le mensonge en 2023. Non, non, non. Mentir comme ça en 2023, c'est quand même... Si la voiture, elle vaut 1 100 000. Mais non, c'est pas possible, ça vaut pas 1 000 000 ça vaut pas 1 000 000. Ça vaut littéralement 1 100 000, c'est la Trax. C'est ça, Nero Custom. La Trax Custom, full Custom, mais, Trax. Mais, ah, mais voilà. Dans les 1 100 000, vous avez payé une formation de pilote un peu, parce que là j'ai vu votre conduite sur même pas 100 mètres, on dirait mais ma fait formation, bien. Elle te fait vu. En un claquement de doigts, je te sème. C'est vrai? Ouais. Tu penses? Ah. Ouais. Tu penses avoir des capacités? Tu contestes? Ouais, pourquoi pas, on pourrait tester, effectivement. On y va. Ça, je vais voir. Viens. Il fallait une petite répa, monsieur? Non, je veux de là comme ça. Il n'y a pas que ça à faire. Allez, viens. Vas-y, si tu me sèmes, tu reviens ici, je te paye 1 000 000. Il va jamais me prendre en chasse. Ah, mais les sirènes, mais tout, hé oh. Eh ouais, ça va vite, t'es pas sur tes appuis, frérot, t'es pas sur tes appuis. T'es pas concentré. Eh ouais. Il était pas concentré, le poteau. Ah, si ça passait, c'était vraiment incroyable. Théma, mon frère, Théma, comment elle te met une puissance? Ah, t'es perdu, mon frère. Selem. Allo, Kendrick, tranquillement? Ouais, toi? Ouais, l'hôtel il est ouvert ou pas? Toujours. Je crois qu'il y a marqué un message là dans le truc. Non, c'est pas moi. Ok. Quand même, je me prends pour. Non, pour mais le Dark. Non, c'est pas toi du coup. Ah, non, mais j'ai pas ce. Vas-y, c'est bon, je peux passer. Vas-y, tranquille. La Trax, c'est vraiment une dinguerie, mais frérot, ça, t'as vu un jour, pour ma cavale, ça me servira. Comme la Jubile. Non, la Jubile, elle m'aurait servi quand elle était blindée. Après, rien ne m'empêche de mettre la Jubile en blindée quand je serai en cavale, mine de rien. Bon, techniquement, je serai en cavale, quoi. Presque, merde. Putain, ça serait trop con. Oh merde. Oh putain, elle est réparée.
Y'a du monde qui est passé? Non, mais y'a une voiture qui s'est garée juste dans le fond là-bas. Ok. Et du coup, c'est mieux tout à l'heure là, hein. Ah, d'accord. Hmm, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Là, y'a des gens qui arrivent. Okay. Pas te donner les permes. Non, moi les permes, c'est simple. Non, mais j'ai pas les permes, les gars, c'est parce que c'est le PSA Golden. Genre, j'ai des mini permes. Mais sans plus, tu vois. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Moi les permes, non, jamais il me les faut. Jamais, t'es fou. À base de revive. Belek, un jour je me connecte à 4h du matin, je me give 1 million, je vous fais croire que je les ai blanchis et tout, alors que pas du tout, je me les suis give. Non, non. Après, il y a les logs. J'allais dire un truc. Mais on va me ban. Mais bon, sur Flashland, c'est pas le dernier cri de la sécurisation, hein. Allô? Bah dis-moi, t'en as encore pas longtemps? Comment ça? T'es pas au courant, 24 heures maintenant. Oh là là. Eh ouais. T'es qui, c'est ça qui t'a dit? Ah bah écoute, moi je suis les consignes. Putain. Eh ouais. Vas-y. Ah ouais, ça c'est le truc qui leur fait le plus mal, là. Voiture en vue. Oh, t'inquiète. Du coup, je vais prévenir Madère aussi qui m'attendent pas pour ce soir. Ah, c'est Vator. Vogel. Allô, Madère. Ouais, que ouais. Tu ne te fasses pas de faux espoirs 24 heures maintenant par rapport à tout ça. Ah ouais? Mais au cas où t'étais en train d'attendre, maintenant c'est 24 heures. Vas-y, y'a pas de galère. Vas-y, beau gosse. Vas-y. Merci, Renaud. C'est vrai que ça fait chier quand même 24. Putain, ah, je les mettais bien. Hein. Vous vous souvenez quand j'ai dit ouais, un jour il y a quelqu'un qui va reprendre le blanchiment et on se dira putain, qu'est-ce que c'était bien avec Kendrick? Eh ben, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Ah ouais, frère, tu peux tout me reprocher. J'étais vraiment un blanchisseur incroyable. Mais hé, encore, hein. Là, ils se plaignent de 24 heures et tout. Enfin, ils sont en mode 24 heures, c'est chiant et tout. Eh, depuis 2017, on en a connu des versions de blanchiment, les frères. Hein, parce que putain, pour les anciens et tout, il y en a, vous savez très bien qu'à l'ancienne, c'était pas des 24 heures que t'attendais. Hein, c'était des bons une semaine facile. T'attendais une semaine et en plus pour des pépettes, et pour des miettes. C'est même pas si t'es un bon bail. C'est, tu sais, c'est pas en mode t'attendais une semaine et t'avais un truc de fils de pute. Non. C'était une semaine pour de la merde. Ah ouais, non, c'était chaud avant. Bah si, Soka. En plus, tu sais, c'était la période où tu pouvais pas péter les business de blanchiment. C'était la période de... Genre vraiment, c'était en mode nique ta mère. T'es pas content, nique ta mère. Merci pour le sub. La même voiture qui a tourné 3 fois en même temps. Ok. Minute. J'ai appelé Patrick parce que bon, je suis quand même venu pour ta sale petite gueule de sale fils de pute de merde de SDF. Allo? T'arrives dans combien de temps? Là, une minute. T'as dit à ce perso, c'est guess d'avoir le business d'armes. Non, mais le business d'armes, je le veux pour même pas quelques jours. En fait, le business d'armes, je le veux même pas... Retenez, hein, parce qu'il y en a qui vont essayer de faire les mecs en mode ouais, il a tenu son business une semaine et tout. Mais le business d'armes, je le veux juste même pas une semaine. Et après, je pars en cavale. Tu sais, c'est juste histoire de dire que ce perso, il aura tout fait. C'est vraiment histoire de le développer à 2000%. Je m'en bats les couilles du business d'armes. Mais juste,
dans la cohérence, dans l'histoire du perso, frère, ça a de la gueule, genre blanchisseur, puis ensuite vendeur d'armes. En plus, si on arrive à gratter le business d'armes, on s'équipe pour la cavale. Tu sais, on se met une petite auto de côté. Là, on part en cavale. Et ensuite, basta. Hein. Tu peux pas avoir un business pendant la cavale. Si, tu peux avoir un business. Mais vous savez très bien que l'arc cavale, ça va être un arc explosif. Vous savez très bien l'arc cavale, qu'est-ce que ça va être. Tu vois le délire ou pas? Genre ça va être à base de gilet pare-balles M4 ou AK-47 frérot et tous les soirs ça va devoir tirer sur des gens. Non, on n'a pas le temps pour gérer un business. Bonsoir monsieur. Aïe aïe aïe. Salut l'ancien. Salut ou quoi? Tranquillement. Ça va, ça va. Ah, je peux avoir la chambre ou quoi là? Oh, vas-y, tu peux aller. Vas-y. C'est le deuxième étage, c'est ça? Deuxième étage. Ouais. Hop. Bonsoir. Attends. T'es pas... Sans doute, toi. Qui? La tenue. Bah j'ai acheté. Dehors. Comment c'est? Je voulais pas. Tu sais que je regardais mon bigot quand il me parlait, Patrick? Et je viens seulement de cramer les tenues là. Dis-moi, la prochaine fois, viens en plus gros clochard, non? Je suis bien, j'ai mis mon petit... Un costard. C-O-S-T-A-R-T. Costard. D'accord. Ton prochain perso, ça sera quoi? Ça sera un... Attends, merde, un costard, ça s'écrit. Avec un dé à la fin. Ça finit par un dé? Mais j'ai dit le dé! T'as dit dé? Mais vous êtes fou quoi, j'ai dit dé! Prochain perso? Non, pas flic. Ah, LPI. Ensuite, flic. Flic, c'est pour cet été. Monsieur Kendrick, le mongol qui est dehors, il accompagne le monsieur oui, mais à l'intérieur. Il est pas en costard. Est-ce que je lui ai dit? Donc, il rentre. C'est quoi un costard? Je dois lui expliquer ou. Ah, c'est Raven. Et ça la manque pas. Oh, vous pouvez le mettre à la poubelle. Hein. Oh, on est bien sur Flashland, les gars. Attends. Il y avait un bon projet, oui, ouais, pour le moment, c'est pas prévu que je retourne sur Split. C'est pas prévu. Parce que je m'amuse bien. Purée de pommes de dé, c'est pas pour vos dabs, ça. Tu peux juste rester derrière, maintenant. À l'accès à la salle de derrière, pas aux étages. D'accord. Mmh.
Et il y a aussi, non mais il y a pas que. Et Omar, les... wesh les gars, s'il vous plaît, wesh, y a un... je dois sortir encore deux autres personnes, vous me parlez de Omar, wesh, oh. Arrêtez, arrêtez de spam parce qu'un mec a spam Omar, pitié. Y'a pas Omar, y'a pas, y'aura pas, y'aura pas. C'est pas dans mes plans pour le moment. Et j'ai des persos dans mes plans, j'ai d'autres persos, c'est pas dans mes plans. Ouais, ça vient quand mon Omar et ma femme de ménage. Ouais, bah suffit de demander, t'as demandé. Bah non, j'ai cru toi qui t'a... Mets un summon, s'il te plaît. Ah, vous allez spam 1000 persos, frère, ça y est, frère. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.